Panique, c'est la panique totale au sein de l'OTAN en ce moment où je vous parle. La panique. De quoi je vais parler? Quand je parle de panique, je vais dire comme ça que nous savons tous, hein, entre les alliés de l'OTAN en ce moment, la France, les États-Unis, là, il y a une peine qui est parce que chez, au Niger, on sait tout ce que les États-Unis sont en train de faire contre la France. On sait. Voilà. On sait ce qui s'est passé en Australie entre la France et les États-Unis. On sait ce qui se passe en ce moment en France dans cette histoire des centrales nucléaires où les États-Unis veulent shipper le contrat à la France. On sait tous ce qui se passe. Donc, en ce moment, pendant qu'il y a un peu de guerre entre les alliés de l'OTAN, voici que les plus grands nouchis du monde, les deux plus grands nouchis du monde, viennent se rencontrer. Famille, avant de continuer, je vais vous demander de pousser énormément les bleus d'abord. Prenez ces deux-là, envoyez dans tous les groupes. On va casser les papos maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Visite de Kim Jong-un en Russie. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un poursuit sa visite officielle en Russie. Après avoir rencontré une première délégation russe le 12 septembre, il s'est entretenu avec le président russe au cosmodrome Vostochny. Donc, aujourd'hui, le président nord-coréen et le président russe se rencontrent. Vous avez tous déjà vu des photos, les vidéos, mais vous ne savez pas pourquoi ils sont rencontrés exactement. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. Chers frères, au moment où je vous parle, Kim Jong-un, il est encore en Russie. Ils ont fini de parler. Maintenant, il va aller visiter aujourd'hui des bases militaires, les armes russes. C'est quelqu'un qui adore les armes. Donc, famille, vous n'êtes pas trop tardé. Je vais vous demander de suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et à la fin, écoutez. Je vais vous expliquer, on va rentrer en profondeur. N'oubliez pas, continuez à pousser les bleus, famille. Prenez vos tabourets, on écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin et chacun va donner son avis. C'est parti, famille. Ivan, bonsoir. Alors, dites-nous, que sait-on de cette visite? Bonsoir Antoine, la visite officielle de Kim Jong-un en Russie se poursuit. Mais pour effectuer ce voyage, il a dû traverser presque tout son pays d'ouest à est. Et ça fait au total 600 km environ en train blindé dont la vitesse ne dépassait pas 60 km à l'heure. Calculez combien de temps ce voyage lui a pris. Mais ce qui est plus important, c'est que Kim Jong-un, il ne quitte presque jamais le territoire de son pays. Le dernier voyage de Kim Jong-un à l'étranger, c'était avant la pandémie de Covid-19. Et ce voyage d'aujourd'hui, c'est la première visite du dirigeant nord-coréen en Russie depuis 2019. C'était à Vladivostok, je vous le rappelle. Mais hier, la délégation nord-coréenne a déjà eu l'occasion de parler à la délégation russe. Notamment, Kim Jong-un a parlé à Oleg Kojemiako, gouverneur de la région de Primorié, abordant de nombreux projets communs entre la Corée du Nord et la Russie. Et aujourd'hui, Kim Jong-un s'est rendu au cosmodrome Vostochny, où il a pu prendre connaissance du processus de l'assemblage de fusées porteuses Soyuz 2 et Angara. Il a écouté très attentivement, il a posé beaucoup de questions sur le maniement et le fonctionnement de ces engins. Je vous rappelle que ce sont les engins qui sont utilisés dans l'exploration de l'espace et notamment du système solaire. Mais ensuite, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont fait une série de déclarations. Et notamment Kim Jong-un a remercié Vladimir Poutine de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Je vous propose de l'écouter. Je vous remercie de nous avoir invités, bien que vous soyez très occupés par les affaires d'État. Notre visite en Russie a lieu dans une période très importante. Aujourd'hui, la partie russe accueille chaleureusement notre délégation de la République populaire démocratique de Corée. À peine entrés sur le territoire de la Russie, nous avons pu ressentir la sincérité de nos amis russes. Au nom de la République populaire démocratique de Corée, je vous remercie, vous et le peuple de la Fédération de Russie. À son tour, Vladimir Poutine a remercié Kim Jong-un de sa visite, soulignant que les relations entre la Corée du Nord et la Russie, auparavant l'Union soviétique, duraient depuis déjà 75 ans. Je vous propose de l'écouter. La rencontre a eu lieu à un moment particulier. Tout récemment, la République populaire démocratique de Corée a célébré le 75e anniversaire de la proclamation de la République, le 75e anniversaire d'établissement de relations diplomatiques entre nos pays. Je vous rappelle que c'est notre pays qui a été le premier à reconnaître la souveraineté et l'indépendance de la République populaire démocratique de Corée. Très bientôt, nous célébrerons le 70e anniversaire de la fin de la guerre pour l'indépendance et la victoire du peuple coréen dans cette guerre. Kim Jong-un a également abordé de nombreuses questions qui revêtaient un intérêt commun pour la Russie et pour la Corée du Nord. Et notamment, Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord était prête à soutenir toute décision de la Russie. Écoutez.
Aujourd'hui, la Russie se lance dans une lutte sacrée pour défendre sa souveraineté nationale, protéger sa sécurité et résister aux forces impérialistes qui s'opposent à elle. Nous voulons développer davantage nos relations. Nous avons toujours soutenu et soutenons toutes les décisions du président Poutine et du gouvernement russe. J'espère que nous serons toujours ensemble dans la lutte contre l'impérialisme et pour la construction d'un État souverain. La rencontre s'est ensuite poursuivie au format élargi. Et la délégation russe comprenait notamment le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. La rencontre a duré environ une heure et au cœur des discussions étaient la coopération commerciale, la coopération culturelle et la coopération agricole entre la Corée du Nord et la Russie. Ensuite, Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont parlé tête à tête. Et cette rencontre a duré environ 5 heures. Et à l'issue de cette rencontre, Vladimir Poutine s'est dit qu'elle était fructueuse, soulignant qu'elle était faite avec toute franchise. Et ensuite était la réception solennelle en l'honneur de Kim Jong-un, lors de laquelle Vladimir Poutine a porté un toast à la paix et à la prospérité dans la région où se trouvent la Russie et la Corée du Nord. Alors, cette rencontre entre les dirigeants nord-coréens et russes a été particulièrement scrutée à travers le monde, entier. On a beaucoup parlé de cette réunion d'aujourd'hui. Pourquoi attache-t-on autant d'importance au renforcement des relations entre les deux pays ? Antoine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déjà répondu à cette question. D'après lui, cette décision d'introduire les sanctions contre la Corée du Nord était prise au moment difficile où il était difficile d'entamer le dialogue entre la Russie et la Corée du Nord. Et toujours d'après Sergei Lavrov, c'était pas la Russie qui a introduit les sanctions contre la Corée du Nord et c'était le Conseil de sécurité de l'ONU. Pourtant, pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la Russie est prête à soutenir les relations avec la Corée du Nord parce que la Corée du Nord est une pays voisine. Je vous propose de l'écouter. La vérité est que la Corée du Nord est notre proche voisine. Et malgré tous les commentaires et les cris venant de l'étranger, nous construirons avec nos voisins des relations avantageuses aussi bien pour nous que pour eux. En tout cas, des relations à part entière supposent un dialogue, une coopération dans les domaines sensibles comme l'interaction militaire et l'échange de vues sur les questions de sécurité les plus actuelles. À l'issue de cette rencontre, aucun document ni déclaration conjointe n'ont été signés. Mais d'après le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cette rencontre s'est déjà terminée aujourd'hui. Et demain, Kim Jong-un se rendra à Vladivostok et à Komsomolsk sur l'Amour afin de visiter des usines militaires russes. Antoine. Okay. Une visite qui n'est donc pas encore terminée. Merci Ivan pour toutes ces précisions. C'était... Famille, vous voyez qu'ils sont en train de former un bloc. C'est-à-dire tous ceux qui sont rejetés par cette organisation de l'OTAN sont en train de former un bloc. Et le bloc est encore plus puissant que l'OTAN. Déjà, avec la Russie seule, l'OTAN n'arrive pas à maîtriser la Russie. Voici maintenant que la Corée va s'ajouter. Sans oublier ceux qui sont derrière. Quand ils tous vont s'ajouter. Famille, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais je pense que la guerre en Ukraine là, va bientôt s'arrêter. Parce que le Nord-Coréen dit que lui, il est prêt à soutenir toutes les décisions de Vladimir Poutine. Il est prêt. Donc, famille, bon, ce n'est pas nous qui parlons, mais ce sont eux. Donc, nous, on ne fait qu'observer, comme d'habitude. Mais je vais vous demander de pousser encore les bleus, de prendre la DE, d'envoyer dans tous les groupes. Voilà, famille.